L'oiseau quoi? Une serviette.
Rien.
Si l'homme n'est pas fou, c'est qu'il a reçu son tour. On ordonna une minute de silence. La multitude se figeait. Il était droit comme un i, les yeux vers le ciel, le mot enfer brilla sur son front. Après la minute de silence, il criait très fort. Chers frères, chers sœurs, je meurs pour vous sauver de moi. Oui, là-dedans. Il montrait sa tête. Je constate que ce n'est plus complètement humain. Là aussi. Oui, là aussi. Ce n'est plus humain. Alors j'ai décidé de mourir pour vous sauver de moi. Il faut me mettre, garder mon nom comme un trésor. Avoir créé, il heurta richesse et tomba de tout son nom. Le temps que Patrice arrive avec le Macedo, le RP World avait abattu toute la salle à manger. On lui connaissait ce genre de colère. Et le calme était la part du Seigneur. Ça viendrait, ni Patrice, ni Sarianato, ni M. Labbé n'osèrent lui parler. Le RP World a levé à genoux devant le Macedo, les mains au sol. C'est l'encre qu'on est en train de vivre. La mort coulait avec les larmes. Pourquoi as-tu fait cela, mon père, mon grand-père? Il écoutait une autre messagerie. Monsieur l'abbé avait d'ailleurs suscité aussi beaucoup d'intolérance à moi. Il était même persuadé que cette fête du Seigneur aurait jusqu'à sa mort très peu de temps pour les pygmées. Il le prenait pour une ordure, avait déserté sa vie, sa race, sa culture, son temps, son pays, et qu'il était venu se souffler au pays de notre foi. Un jour, il dira son désert du déserteur. Mais monsieur l'abbé ne nous a jamais compris de prière. Seigneur, si ma voix te parvient, veux-tu. Seigneur, si ma voix te parvient, veux-tu avoir pissé les pygmées d'abord, ainsi du révérend Père? Car, Seigneur, le révérend Père aussi est un homme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À 3 heures, tu m'as dit ta foi dit, au nom du Père et du Fils. Et Allah dans le jardin, la lune, la fraîcheur, les cendres, au nom du Père et du Fils.
Thank you.